dans ces années, aucun festival pop-rock d'importance n'existait en France. Les hippies d'alors répandent tout neuf affolés la population et le maire y refusait. Le moindre bout de terrain encourage aux organisateurs. Le succès fut sur différents sites successifs. Que le festival eut des envies d'expansion, t'imagines, l'on a neuf fut trop une manifestation copier-coller. Toulouse, au bord du lac de Grammes, avec la bénédiction du maire Dominique Baudy. L'affiche de même que Bretagne quelques jours plus tard fut étincelant. Réunissant les 14 et 15 juillet, Marie Will sont simple main lord of New Church. Sven de Tounou Fubit, Passoit Greg Almeux, Kinsania de Joukoker, etc. Tout devait conduire à un immense succès, ce qui ne fut pas vraiment le cas. Le jour J, malgré les canicules qui assomment vive, tout le monde veut encore y croire. À peine plus de 3-0 personnes y recouchent babé. Rastet, rocker mélangé profiteront de l'aubaine. Dans l'amphithéâtre naturel de Grammes est transformé cratère brûlant et poussiéreux. Au final, l'Ixir laisse une impression moyenne. Voir le souvenir de deux journées éprouvantes que résume le titre de l'article bilan 2. Dépêche pour un délirium prémain. Illustré par la photo d'un public clairsemé face à une immense scène. À Toulouse, l'Ixir ne connaîtrait jamais de suite. Il faudrait attendre un 995 pour voir s'installer solidement près aux locaux. Festival pré-estival dont le succès perdura. Et septembre 2022 pour que Chanson Crap triomphe avec le gros festival et l'initiative.